C'est une pratique médicale, donc c'est une atteinte à l'intégrité physique et au droit au respect de la vie privée, qui est justifiée par un impératif supérieur de préservation de la santé publique et d'éviter les contagions. Donc, il est tout à fait possible de rendre un vaccin obligatoire dans ce but-là. C'est une atteinte limitée à l'intégrité physique qui est justifiée par la sauvegarde de principes supérieurs. Donc, on peut en soi admettre qu'un vaccin soit rendu obligatoire. Un vaccin peut être mandaté quand il a une vraie efficacité thérapeutique. On appelle ça l'indice thérapeutique, c'est-à-dire c'est le rapport entre l'action d'avoir le vaccin, quel est le bénéfice et ses risques, et le fait de ne pas avoir le vaccin, quel est le rapport coût-bénéfice encore une fois. Je vais prendre l'exemple de la rougeole. Tout le monde est vacciné contre la rougeole et personne, sauf si on est un peu, je dirais, à côté de ses pompes, va refuser le vaccin contre la rougeole. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant sans rougeole, et 100% des enfants font la rougeole, donc il n'y a pas photo. Sans vaccin, nous avons, chaque enfant a 3 chances sur 1 000 de décéder d'encéphalite sclérosante, et plus les quelques pourcents de morbidité, qu'elle soit neurologique ou autre. Si on regarde les mêmes données sur Covid, et tous les produits sont quasi les mêmes, on a un virus qui, en vrai taux de mortalité, arrive à 0,2%. Bon, c'est quelque chose, on ne peut pas dire que c'est rien, mais c'est encore relativement faible. Et si on regarde les chiffres de Pfizer, le taux de morbidité et de mortalité de leur vaccin, c'est 0,2% aussi. Donc ça devient inéthique de forcer un produit qui n'a pas un rapport coût-bénéfice notable. Mais ici, il est question non pas de vacciner les enfants ou de se faire vacciner parce qu'on choisit d'aller dans un pays où il y a un risque particulier et où il faut un vaccin spécifique. Ici, c'est beaucoup plus large puisqu'il s'agirait d'être vacciné pour avoir accès à toute une série d'activités ou de pratiques ou presque de la vie quotidienne, avec cette conséquence que les personnes devraient donc dire si elles ont été vaccinées ou pas, révéler un aspect de leur santé et des soins de santé qu'elles ont acceptés ou qu'elles n'ont pas acceptés, ce qui pose question sous l'angle du respect du secret médical. C'est quand même difficile de concevoir que pour qu'en même temps que son ticket d'entrée à un festival, on doive exhiber à un vigile un document médical. Et puis, il faut également vérifier, ça c'est une question purement scientifique, il faut vérifier qu'effectivement elle est suffisamment à long terme pour qu'une personne vaccinée, on soit certain qu'elle n'est plus transmetteuse. Il faut qu'il y ait une pertinence scientifique à l'obligation qui serait faite. La communication qu'on a maintenant à la télé, partout, dans les médias, les médias vont très vite de nos jours, la communication qu'on a, c'est que le vaccin est la solution. Donc c'est plus ou moins ça qu'on a essayé de faire comprendre à la population. Ce qui veut dire que le gars qui travaille dans le médical et qui ne se fait pas vacciner, alors qu'on a considéré qu'au contraire, c'était des gens qui étaient prioritaires, s'il refuse de se faire vacciner, c'est extrêmement difficile à justifier. Donc, je n'ai pas trouvé l'argument pour dire non, je ne crois pas à votre vaccin, ça ne sert à rien, parce que ça aurait été extrêmement mal perçu par ma propre direction, par le système de santé d'une manière générale. Je suis justement entre la première et la deuxième injection du vaccin Pfizer. Mon épouse et moi-même, on est dans la même situation, avec les mêmes dates, et on est tous les deux en train de développer une positivité au Covid, alors que bon, on est entre deux vaccins et que théoriquement, après la première dose du Pfizer, après une dizaine de jours, on est censé avoir 60% d'immunité. Donc voilà, ce qui peut prêter à sourire, mais qui peut peut-être être un peu inquiétant aussi en termes de savoir si véritablement il y a une grande efficacité ou une grande fiabilité pour le vaccin. Honnêtement, c'est un virus qui est un virus qui n'est vraisemblablement pas un virus qui va conférer une immunité robuste. Alors, il y a des virus qui vont donner des immunités robustes. Tous les virus pour lesquels on vaccine à la naissance donnent des immunités qui durent à peu près toute la vie. Donc ça marche très très bien. Le coronavirus, c'est un virus qui est un peu du style le virus du rhume. Au départ, donc c'était un truc qui est extrêmement variable avec un génome extrêmement fluctuant qui peut donc avoir une grande irrégularité en termes d'immunité. Donc,
comme il y a beaucoup de variants, et on le voit maintenant, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait une immunité. Quand vous êtes médecin, chirurgien, chef de service ici et là, les gens vous écoutent beaucoup. Alors, si vous ne montrez pas l'exemple, ou ce qu'on peut considérer comme être l'exemple, les gens, le commun des mortels qui n'est pas médecin, va être énormément dans le doute. C'est tout à fait ça. Par ailleurs, je ne suis pas du tout à risque, moi. Moi, je ne suis pas diabétique, je ne suis pas obèse, je ne suis pas asthmatique, je ne suis pas sous cortisone, j'ai moins de 85 ans. Donc, c'est a priori pas moi que le virus va attaquer de manière préférentielle. Laisser le vaccin sur base volontaire, c'est parfait. Le forcer, ce n'est pas très éthique, a fortiori, quand certaines études de validation n'ont pas été faites parce qu'on a dû le certifier dans l'urgence.